Salut à tous, c'est Ivanel. Bienvenue dans ce let's play Sen no Kiseki, Trails of Cold Steel. Ah, environ 15 jours se sont passés depuis leur exercice dans les souterrains. Donc on va commencer un petit peu à voir la vie qu'ils mènent à l'académie avec les cours et tout ça. Et Rin se prépare. Non, une photo de famille. Are you heading to school now too? How about we walk there together? No problem. I'm guessing everyone else left already, huh? Il y aura beaucoup de scènes comme ça dans lesquelles Rin est le seul qui aura pas de doublage. Donc il aurait une habileté spéciale, il peut sentir les gens ou quelque chose du genre. Good morning. Morning. Are you two on your way to school? Yeah. Come on, Emma, we're going to be late. Me dis pas que... Hey, wait for me, Elisa. We'll see you in class. Non, mais c'est pas vrai. Ça fait 15 jours. 2 semaines. Et elle fait toujours la tronche. C'est quoi ce délire? I never would have guessed she'd hold a grudge this long. She knows it was just an accident, right? She has to. Can't believe she'd be so sensitive. Super casse-couille, ouais, faut le dire franchement. Well, as long as you keep trying, I'm sure she'll understand eventually. Class 7's got enough tension as it is, what with our two prideful warriors at each other's throats. So, I think it would be a load off everyone's mind if you and Elisa could make up at least. C'est vrai que déjà entre Machias et Yusis qui doivent s'engueuler suffisamment. Enfin. Et c'est parti. Ah, Machias et Emma sont vraiment doués en cours alors. Et ils ont continué à se provoquer. Ah là là. Mais eux deux, ils ont l'air d'avoir quelques raisons, on va dire, pour leur comportement.
Contrairement à Alyssa, où c'est vraiment pénible. And that's where we'd be if we weren't in class 7. Dormitory number 2, for all the common folk like us. Ah, ils ont leur propre dortoir, carrément. Well, they did a good job. It's got a nice feel to it. I just wish it were a little closer to the academy. Hey, ah, tu parles. Il y a 200 mètres, c'est tout. Ça va. Ah. Des nobles. Class 7, I see. Is something the matter? You're just a ragtag bunch of nobodies, aren't you? Come on, we're leaving. Sympa. Ah, so they're from one of the upper classes. This is why I hate talking to them. Yeah, that would be pretty bad. Ouais, Laura et Yuzis, franchement, ils ont l'air beaucoup plus accessibles. It's supposed to be super fancy inside, with maids and butlers and everything. Ok, faut y aller. Yeah, sorry. Oh, hey, have you picked out a club to join yet? Doesn't sound like you have to or anything, but it's probably a good way to meet people. Un club? Ça peut être sympa, ça. As I'm sure you're all well aware, the Erebonian Empire was driven to the brink of collapse roughly 250 years ago. Thomas Lysander. This was brought about by the conflict we know as the War of the Lions. A civil war lasting several years, staged over the throne of the late emperor by the most powerful of his potential successors. But of course, I'm not here to tell you that. If I were, I think even young children would be able to pass this course. Rather, I'd like to discuss the effects this had on the empire as members of the aristocracy were drawn into the war. Many hired mercenaries turned to looting and pillaging, and a similar trend could even be seen among some of the knights. The land was left utterly devastated, and morale was at an all-time low. But then, lo and behold, into this nightmare stepped a man willing to take a stand against this bloody war of succession. He was a wandering prince who began to rally forces from the outskirts of the empire. And would go on to make quite a name for himself. And that name, of course, was Dreykulls Rhysae Arnor. He would later become known as Dreykulls the Lionheart, the 73rd Emperor of Erebonia, and father of the Renaissance. Not to mention the founder of this very academy. Dreykulls' army was initially rather small in number. But as he traveled across the empire, winning over the hearts of influential sympathizers, his forces rapidly increased. Now, the place where Emperor Dreykulls first began gathering his army was... Rhyneschwarzer, would you care to tell the class? Encore un choix de réponse. Donc là, pour cette première
Vu que c'est le début du jeu, quelle que soit la réponse qu'on prend ici, on aura quand même, ce sera quand même la bonne réponse. Mais la véritable bonne réponse, c'est la troisième. Ah. D'accord, donc en fait elle fait encore la tronche, mais pourtant elle l'aide en cours quand même. Cette fille est bizarre. Yes. Ok, voilà, bon. Les explications sont assez claires. Lorsqu'on donne une bonne réponse, qu'on fait des quêtes, ou qu'on agit comme il faut, selon la situation, on va gagner des points académiques. Et donc, plus on en a, plus on aura des récompenses, ce genre de choses. Donc, il faut chercher, évidemment, à en avoir le plus possible. Nice work, everyone. You made it through another grueling day of classes. In case you've been living under a rock, please don't forget that tomorrow is your first free day. Journée libre. It's not technically a day off, but there are no classes, so it's up to you what to do with your time. Why, you could go shopping in the capital if you wanted to. Or just do what I do and sleep all day. Sleep is so wonderful. Will the Academy's facilities still be open for our use? Yes, I'd like to be able to use the free study area in the library myself. Of course! This school shuts down for no one! So feel free to patronize any and all facilities as you like. A lot of clubs have meets scheduled for these free days as well, so anyone who's joined one should probably check on that. I see. I'll be certain to do so. Also, before you leave, we should go over what's happening next week. On Wednesday, you all have your practical exam. What does that entail exactly? It's part of your combat training. You'll be graded on your performance, so make sure you're well-rested and ready for battle by then. Might be a good idea to do some training on your own time, too, just to keep from getting rusty. Interesting. I definitely don't like the sound of that. Ah, bah si. Okay. Oh, and one more thing. After the practical exam is over, I've got another important announcement. About a major part of Class 7's curriculum that I haven't mentioned at all yet. Ay-ay-ay-ay. What? So, whatever you choose to do on your free day, make it count for something. That concludes today's homeroom. Machias, if you'll do the honors? Yes, instructor. All rise. Bow. Ah, le club de musique, donc. Et pour Gaius, le club d'art. Thank you.
Ah. Voilà qui n'annonce rien de bon. Et voilà, fin de la journée. On est libre de faire un peu ce qu'on veut après la fin des cours. Il faut qu'on aille au conseil des étudiants. Ouais, ok. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est parti. On va enfin pouvoir se balader dans l'école. Même dans tout le campus d'ailleurs. Et donc là, il y a plein d'étudiantes partout. Et on va commencer par lui parler à elle. Ok. Ouais, c'est pas faux. Donc elle va passer la journée libre à faire les courses. Salut. Non, pas encore décidé. Ok, donc en fait, les personnages ont pratiquement tous un truc à raconter. Donc on peut vraiment passer sa vie à ça. Bon, je vais pas parler à tout le monde, mais... Ok, la blague pourrie. Ouais, le club de musique, pourquoi pas. On verra bien. Ah, et là, il y a Elliot. Ok, salle de musique, sympa. Ah. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, le club de cuisine. C'est pour ça qu'elle reste là, d'accord. Bon voilà, donc je vais pas parler à tout le monde. Hein, parce que sinon ça prendrait des plombes. Mais quand même, c'est sympa. Salut. Pourquoi? Ah, d'accord. Non, Gaius, il a l'air un peu effrayant comme ça, il est grand et tout, mais... Non, il est vraiment sympa, franchement. Et donc, elle, qui est-ce ? D'accord, donc c'est elle. La présidente du club, mais visiblement, elle s'en fiche complètement de s'il y a de nouveaux élèves qui viennent. Elle est dans son truc, faut pas la déranger. Ok, bon. Eh ben, nous, on continue, on va descendre. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais je cours quand même dans les couloirs. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Hein, du harcèlement? C'est pas bien. Au fait, le club de musique, c'est à l'étage au-dessus. Hein. Juste comme ça. Ok. D'accord. Donc voilà, plein de petites conversations, plus ou moins intéressantes à droite et à gauche.
qu'on est libre de déclencher ou pas. Ok, des fois c'est fermé, des fois ça ne l'est pas. D'accord. Le gymnase. Piscine donc. Ok. La librairie, bibliothèque. Rick, ça veut dire bibliothèque, ça, pas. Ok, c'est là qu'on doit aller. Bon, c'est parti. Ah, on va d'abord aller parler à ces gens, vite fait, juste pour voir. Oh, elle a un accent, celle-là. Vas-y, parle pour voir. Ah, c'est pas facile de comprendre. Hein. Enfin bon, on va les laisser. Hein. Une querelle d'amoureux. On va pas trop s'en mêler. Ah, là-bas, il y a Machias. Devant la bibliothèque, qu'est-ce qu'il fait ? Donc en fait, il veut pas rentrer parce qu'il y a Yusis dedans. N'importe quoi, sérieux. Et nous, c'est là qu'on doit aller. Hey there, first year. How's it going? Academy life been treating you well this past half month? Of course it will. Your class is going to be more intense than the others too. But you just hang in there, okay? Hey now, let's not get ahead of ourselves. Ah bah quoi, il a juste demandé son prénom, c'est tout. First things first, how about you let me show you this cool trick I've been practicing? You got a 50 mirror coin I can borrow? Cheers. All right. Watch closely. Now, which hand is the coin in? Left or right? Bon. On va dire gauche, on verra bien. Too bad. Ah, raté. You catch on quick. Ah, ok. Keep up the good work, man.
You're gonna need to be pretty tough to get through a year with Sarah as your instructor. Oh, and the student council room is on the second floor, furthest room back. See you around. Have a good weekend. Ouais, et mes 50 Mira. Ouais, bon. On vient de se faire racketter ou un truc du genre. Bon. Ok, on vient d'arriver devant l'endroit où on doit aller. On rentrera là-dedans la prochaine fois. Pour enfin savoir la raison pour laquelle on doit y aller, parce que Sarah nous a même pas expliqué pourquoi on devait y aller, mais bon, on verra bien. Allez, en attendant, bye, salut à tous. Right.